précédemment. Alors comme ça, vous voulez vous associer avec moi, quoi? Absolument, madame. Je veux le coupable! C'est fermé, qu'est-ce que vous voulez? Je suis le shérif. Vous voulez me poser des questions au sujet de Kennedy? Le chinois? C'est intéressant. C'est vous le chinois? Qu'est-ce que tu lui veux au chinois? Vous connaissiez Kennedy? Je vais te dire qui a tué la chienne de Mystési. Mais d'abord, tu vas me sucer la bite. Il y a du nouveau sur la mort de votre chien. C'est vrai? Oui. Allons-y. Vous savez qui c'est? L'assassin de Kennedy et... faire une petite pause parce que là j'ai la gerbe. Voilà, on reprend si vous voulez après, mais c'est bon. L'assassin de Kennedy et... Shérif, je veux savoir immédiatement qui a tué mon Kennedy. Le suspense a assez duré, shérif. J'ai l'impression que ça fait une semaine qu'on attend. Très bien. Alors, que s'est-il passé cette journée tragique où, alors qu'il allait gentiment dans la rue, Kennedy s'est fait faucher par une balle? Un ennemi de Miss Daisy? Un conspirateur? Hey! Vous pouvez pas balancer directement le nom du coupable? Ah, comme ça, là? Enfin, c'est con, parce que... J'insiste, shérif. J'avais quand même prévu un petit dessin rapido. Bon, je m'attendais à des applaudissements, mais... Ici, nous avons donc la Grand Rue, d'accord? Alors, excusez-moi pour la petite enseigne du barbershop, mais j'avais le soleil... Je m'en fous de cette ville, je veux savoir qui c'est! Le panache, alors! Ok, c'est Malone. Malone? Voilà, le chien a pissé sur ses pompes, et puis voilà, il s'est penché, c'est tout. Vous êtes content? Eh ben, Malone. Malone? Quoi? Pas de tête de tueur, moi, là? Pour de quoi? Demande à conseil, moi. Alors, la pisse tu? Dans ton embout, si on tue. Toi, tu bouges, tu tues. Toi, tu bouges, tu tues. Toi, tu bouges pas. Pas bouger, personne ne me suit, si on tue. Tue tout le monde. Pas bouger, où bouge, Manu? Bah, chérif, rattrapez-le. Attendez, il est déjà super loin, là. Non? Mais rattrapez-le! Ah, il est parti, là. Là, mon petit Jack, tu réalises un sans faute.
Vous en pensez quoi, Lisbeth ? Oui, Chuck. Vous êtes mon héros. C'est vrai ? Oui. Vous êtes le plus beau shérif de tout le comté. Faites-moi l'amour sur le champ. Je sais tout ça, Lisbeth. Mais je ne suis pas un garçon facile. Ma fonction de shérif me prend beaucoup de temps, vous savez. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus con. C'est Jack. Toi. Prenez-moi de manière à la grande rue. Non. Taille-moi demain dans la grande rue pour un duel. Ah, un duel ? C'est parce que je n'avais pas compris, en fait. Et c'est pas très clair. Parfois, on a l'impression de tout ordonner dans sa tête et les gens ne comprennent pas. Alors, on répète. Taille-moi demain dans la grande rue pour un duel. Un duel. D'accord, un duel. Non, mais là, c'est très très clair. Maintenant, la question, c'est pourquoi ça ? Ben, j'aime ça. Et toi, t'as foutu de ma gueule et ça n'aime pas ça. Pas ça. On pourrait peut-être trouver un arrangement amiable, c'est vrai. On... Non. Toi et moi, demain, dans la grande du point duel. T'as compris ? Oui. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est dans la merde. C'est Jack. Patronne ? Oui, Lilibelle. Voilà, en fait, écoute, on trouve que le système marche plutôt bien. Hein. On aguiche le client pour qu'il consomme plus. Ok, rien à dire, ça fonctionne, mais... Mais quoi ? Voilà, on voulait t'en parler depuis longtemps, mais avec la mort de ton chien, on s'est dit que c'était pas vraiment le moment. Et du coup... Vas-y, accouche ! Voilà, on se fait blotter, caresser. Y a même le gros Pete qui a mis son doigt dans l'oreille de Jessie. Donc... il a quand même mis son doigt dans l'oreille de Jessie, quoi. Mais tu fais bien de me le dire. On va surveiller les clients et on va instaurer de nouvelles règles. Oui, oui. Ou alors, mieux. quitte à se faire tripoter, on n'a qu'à carrément se faire payer, non ? Tu es folle ? Tu m'as prise pour une maquerelle ou quoi ? En même temps, c'est un business florissant, hein. C'est du proxénétisme. Bruno, du proxénétisme, tout de suite les grands mots. Excuse-moi, t'appelles ça comment alors ? Disons plus de la prostitution. D'accord. Merci, patronne. Vous êtes coquine, hein ? Je suis pas du tout chaud pour cette histoire de duel, hein, moi je te le dis, hein. Je sais pas, il doit y avoir un décret qui stipule ou un motif d'annulation, j'en sais rien, moi. J'ai pas envie de mourir, Cole. Tu vas encore te défiler ? Ah non, mais je te le dis, hein. Si je trouve rien là-dedans et que personne n'est au courant, je me tire. C'est clair. Putain de... Alors, tu vas faire quoi ? C'est une solution. Vas-y, je t'écoute. Te nommer shérif ? Tu sais, il y a un proverbe qui dit « Même sous la pluie, la colombe peut toujours chier sur la gueule du crapaud. » Ouais. Je comprends pas. Ton étoile, là, tu peux te la carrer où je pense. Là, c'est clair. C'est limpide, mais... Bon, je vais trouver quelque chose. Hein. Je vais trouver quelque chose. Je sais pas, je... C'est écrit en tout petit, putain. Pas un globe, là. Malone veut se battre en duel avec vous. C'est fâcheux. Qui le dites-vous ? Je vous le dis à vous. Vous l'avez publiquement humilié, et ça, il vous le pardonnera jamais. Mais les habitants attendent que vous preniez des mesures. Des mesures ? Je suis pas tailleur, hein. Je comprends pas. Bon, je comprends rien à ce que vous dites. Alors, réglons plutôt cette affaire Malone, et nous parlerons de votre avenir ensuite. Justement, j'ai peur qu'en allant régler cette affaire Malone, comme vous dites, mon avenir soit fortement compromis. Sur le champ de bataille, le valeureux ne meurt qu'une fois. Le lâche, lui, deux fois. Une fois de trouille et une fois tué par l'ennemi. Et dans votre petite histoire, là, il n'y aurait pas une version où personne ne meurt par hasard ?
Et ça... Allez, ne faites pas cette tête-là. Un duel, c'est pas bien compliqué. Il suffit de tirer le premier et de viser juste. Bang! Ah. Allez, barrez-vous. Impressionnant, hein? Ah, mais j'ai jamais vu quelqu'un tirer aussi vite, là. Ouais, je sais. Par contre... Dis-moi. Voilà, c'est ça. T'es hyper rapide, mais tu vis super mal. Ah oui, non, mais ça, c'est à cause de mon revolver, il est mal réglé. Ah bon, tu veux voir? Non, ça va, il va bien. Merde. Mais en pourcentage, la rapidité, c'est aussi important que bien viser. Ah. Oui. Bah disons que... Oui, je vois ce que tu veux dire, mais... Disons que j'ai connu un gars qui était comme toi. Bon en tir, mauvais en visée. Ah ouais? Et? Oui, il est mort. Le pauvre. De vieillesse? Bah non, dans un duel, une balle en pleine tête. Quoi le mettre, ton histoire, vraiment? Bah en rien. Bah vas-y, réessaye pour rigoler. Ouais. Ok, on est chaud, on est bon. Ouais, demain t'es mort. Hein. Alors c'est vrai ce qu'on raconte? Que tu prostitues tes filles ici? Absolument pas. Les gens sont tellement mauvaise langue, parfois je te jure. Ah ouais. Hé, ma belle, $1 contre une petite gâterie, ça te tente? Ok, mon chou. On y va? Elle plaisante. Ah. La bourrique. Allez, retourne travailler. Et la pipe, c'est $2. Allez, dégage. Ah ouais, je vois, ouais. Quoi, mon chou? Ça pose un problème pour notre petite association? Au contraire. Contre un petit pourcentage, je te propose même d'assurer la protection de tes putes. Des putes? Mais quelles putes? Y a pas de putes ici. Ce serait du proxénétisme. C'est contraire à toutes mes valeurs et... Merci. Jamais je ne m'abaisserai à ça. Ou alors je vais raconter à Cole ce que tu trafiques dans ton bordel. Eh, je te préviens, c'est un gars plutôt chaste. Il risque d'être retourné. T'es qu'une ordure. T'as pas honte de te servir de ton petit frère comme ça? Attends, laisse-moi réfléchir. Non. Mademoiselle. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, toi? T'as vu un Iroquois dans mes trous de nez? Alors continue à travailler. Bon. Tu es shérif de Two Rivers, d'accord? Donc j'assume ma fonction. Si quelqu'un vient me provoquer en duel, j'y vais. Je veux dire, inutile de m'en empêcher, quoi. T'es rien, hein? Par exemple, ce serait complètement absurde de m'assommer, de m'attacher, de me foutre dans la prison, de perdre les clés, un truc de dingue. Hein? Non, on le fera pas. Hein, Cole? On peut pas le faire. Non, y a pas de raison, hein. Bon, les gars, je veux bien rigoler 5 minutes, mais j'ai pas envie de mourir demain, moi, tu vois? Ce serait toi, par exemple, ça serait moins grave. Je veux dire, t'as 50 ans, ta vie est derrière toi. Mais moi, tu vois, c'est pas pareil. Attendez, les gars, j'ai pas 50 ans. T'as quel âge? Bah, la quarantaine a tout pété, quoi. Mais t'as une maladie. Tu rigoles? Non. Bah, t'as pris cher, vieux, hein? Non, mais je veux dire, visuellement, c'est pas beau, quoi. C'est vrai? Ah ouais, d'accord. Non, vous faites marcher. C'est frangin. Ah ouais, non, d'accord. Ok, bah vous savez quoi, hein? Eh ben, papy, il va aller célébrer la vie ailleurs. Mais tu vas où, là? T'occupe pas, gamin. Vous faites vraiment chier. Non, mais t'es rapide, oui, t'es rapide. C'est pas ça, le problème. Thank you.
Vous allez vraiment vous battre en duel? Ah bah oui, j'ai pas trop le choix là, du coup. Vous savez que Malone est un pro. C'est un tueur sanguinaire, implacable. Vous avez aucune chance. Il y a des gens qui savent trouver les mots juste pour monter le moral. Visiblement pas vous. Sinon, vous pouvez fuir. Alors, je voudrais pas perdre l'estime que vous avez pour moi, non? Quelle estime? Je dis ça pour vous, moi. Non, ça je vous crois pas, par contre. Eh ben, allez-y. Allez vous faire trouver la peau. Je m'en moque. Ah, ouais, ça y est. Mais j'ai compris, là, en fait. En fait, vous avez peur que je meure sans vous avoir donné un baiser, c'est ça? C'est ça. Vous êtes une crapule. Ouais. Ah, vous aimez les crapules? Non, j'aime les hommes gentils. Mais moi, je suis une gentille crapule, moi. Sortez vivant de ce duel. Mm-hmm. Et vous aurez peut-être votre baiser. Ce qu'on vient de faire, enfin, ce que t'as essayé de me faire faire. La pioche albanaise. La pioche albanaise. Franchement, chapeau. Je pensais pas qu'un vieux dans ton genre tiendrait aussi longtemps. Oh putain, tu vas pas t'y mettre toi aussi, je suis pas vieux. Eh, tu me donnes quel âge? Je dirais la cinquantaine bien tassée. Oh putain. Mais calme-toi, mon chou, c'est pas grave. Vieux, c'est pas une maladie. Ouais, c'est ça, ouais. Tu connais le Tipeee magique? Non. Doucement, papy, doucement. Oh là là. En fait, on est supposé attendre jusqu'à quelle heure, là? Hein, ça fait trop longtemps qu'on poireaute comme des cons. Ouais, j'avoue qu'il abuse un peu, là. Ouais, je sais pas comment ça se passe, hein, duellement. En fait, c'est débile de dire aussi rendez-vous dans la grande rue sans donner d'heure, non? On est supposé attendre toute la journée, en fait, c'est ça? J'ai plein de trucs à faire, moi. Ah bon? Comme quoi? Bah, la paperasse surtout, des factures, des trucs que j'avais remis à plus tard, j'en sais rien. Tu sais que c'est une responsabilité, shérif, hein, t'es marrant, toi, je crois que tu rends pas compte. Ah bon? T'aurais pas un clope, là, ça va me calmer? Tu fumes déjà? Tu crois que j'ai une chance? Sûr, oui. C'est vrai? Tu crois que je peux gagner le duel? Ah, pour le duel? Ah là, non. Allez! Ah, je suis là, moi! Attends! Hein? Allez! C'était sympa d'avoir été ton frangin. Oh putain, je suis crevé! Ouais. T'es mort! Faut que j'aille voir mon frangin avant qu'il se fasse trouver la peau. En tout cas, y a peu à dire. T'es fortiche pour un retraité. Putain, retraité de quoi, là? Non, mais vous commencez vraiment tous à me faire chier à la fin, là. Non, mais ça va, t'énerve pas, mon vieux. Ouais, bah, tu cherches Butch. Tu vas trouver Butch. Bah, dis donc, et ton frère qui va clamser? C'est l'avantage d'avoir deux frangins. À la fin, il en reste toujours au moins. Ah, il est chaud, papy. Il est chaud. Bon alors, on se fait duel? Bah, franchement, je te le dis, moi, ça fait si plombes que j'attends comme un connard. J'étais chaud hein, pour le duel, hein. J'étais entraîné, j'étais tout ce que tu veux, mais là, là, c'est pas cool. Voilà. Pourtant, j'étais chaud, hein. Mais je vais te dire un truc, maintenant, j'ai envie de partir. J'ai vraiment envie de partir. Je pars, d'ailleurs. Voilà. Faites un gros lâche. Non, c'est... Tu vois, c'est pas très cool de ta part de m'insulter comme ça. Je te dis, parce que sinon, je t'assure... Ok, quoi? T'as déjà provoqué un duel? Ok, tu l'auras voulu. Toi et moi, demain, dans la grande rue pour un duel. Faut t'arrêter dans le pantalon. Ok, bon. Je vais pas te mentir, c'est mon premier duel. Donc, je connais pas trop le principe et je compte sur toi pour m'expliquer. Donc, en fait, le principe, c'est qu'on est face à face, comme ça, comme deux cons. Le but, c'est de dégainer, c'est ça? Et de préférence le premier? Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc attends, je m'entraîne un peu, hein, tu m'en veux pas? Oh! Ça commence à rentrer, hop! Dégainé! Rengainé!
Mangané, on peut le faire 100 fois. Mangané, oh, bang, t'es mort. Non, je blague. Je blague, t'as eu peur un peu quand même, hein. Allez, je suis chaud. T'es prêt? En fait, il y a un truc à dire. D'Ivoire? En fait, il y a plein de trucs à faire aujourd'hui. Ah ouais? La paperasse, facture, tout ça, c'est ce que c'est? Ah oui. Ouais. On fait quoi? On remet ça? Ouais, voilà, très bien. Très bien. Dans 15 jours, ça te va, toi? Ouais, ouais. D'accord. Confirmation, télégramme. Ouais. Ouais. Ah. Alors là, beau duel. Beau, beau duel. Franchement, pauvre mec. La vise un peu la bouteille. Problème de cash. Ah bon? Oui. Il y en a trop, on n'arrive plus à compter. Bienvenue les poulets. On vous sert quelque chose? Scotch. Triple sec. Deux verres. Et la même chose pour la demoiselle, si elle est consente, bien sûr. Merci. Merci, beau moustachu. Bonjour. Bonjour. Vous avez déjà remboursé un inconnu? Jack Templeton. Je suis shérif. Et enchanté. T'es là, toi? Tu sais que tu viens un petit peu de rater le dieu du siècle, hein? Ouais, mais j'avais trop peur pour toi. Ouais. Je pouvais pas voir ça. Je me suis fait un putain de lamago, j'ai été trop forcé. Je vais aller m'asseoir. Oh, putain. Tu disais quoi, déjà? La belle quarantaine? Ta gueule. Qu'est-ce que t'as fait pour avoir mal au dos comme ça? Je l'ai démonté, la petite. Démonté quoi? La petite carriole du chinois. Je l'ai démonté. Alors, shérif, on monte? Direct, comme ça, là? Bah ouais. Non, mais ça fait un peu femme de petite vertu, ton truc, là. Complètement, et alors? Ah, t'es une pute. Ah oui, non, ça change tout. Je suis désolé, ma grande, hein, mais moi, j'ai jamais dépensé un dollar pour donner du plaisir. Et puis, voilà, il y a quelqu'un qui m'a fait une promesse si je restais vivant, donc c'est mort. Désolé. Attends, vous êtes sûr? Même si c'est gratuit pour vous ce soir. Gratuit? Non, mais non, ma vraie, je suis désolé. Je suis dans l'obligation de refuser. Voilà, parce qu'en fait, cette fille que j'aime bien, elle m'a promis un baiser. Donc, voilà, je vais y aller. Juste un truc là, par rapport au fait que ce soit gratuit, c'est une offre qui est limitée dans le temps ou parce que voilà, si ça se passe pas bien avec cette fille que j'apprécie beaucoup, du coup tu vois, je me rabats sur toi. Parce que voilà, ça serait quand même con de passer à côté de ça, quoi. On fait ça. Hein. Faut jamais promettre un baiser à Jack Templeton, jamais. Et le resto? Tu vas où comme ça?